Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on voit la fourche. Il y a plusieurs types de fourches, mais nous, aujourd'hui, on va voir la traditionnelle, avec le tube en haut, et le fourreau en bas, et la fourche inversée, avec le fourreau en haut et le tube en bas. Donc, une fourche, c'est constitué de deux éléments, l'élément droit et l'élément gauche, le T inférieur et le T supérieur. Voilà, c'est une fourche de scooter, donc il n'y a pas de T supérieur. Alors la fourche, elle sert à quoi? D'abord, tu as ta colonne de direction qui vient dessus. Donc ça sert d'abord à tourner, et après ça sert à encaisser toutes les imperfections de la route. Alors l'élément de fourche, dit traditionnel, il a le tube qui est en haut, et le fourreau en bas. Ensuite, tu as la fourche inversée, qui a un diamètre beaucoup plus gros, et qui peut encaisser beaucoup plus. Donc on va les ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc sur la fourche traditionnelle, qu'est-ce qu'on peut voir? Tu as le bouchon, le tube, là tu as le cache-poussière. Ça, c'est le fourreau. Celle-ci, elle n'est pas réglable. La fourche inversée, tu as des réglages dessus. Là, tu as ce gros cylindre, là, rouge. Tu as la petite vis ici. Tu as une vis en bas, là. On va voir à quoi il sert. Pour démonter ta fourche, normalement, il faut un outil spécial. C'est-à-dire que quand tu enlèves le bouchon ici, il faut insérer un outil qui va venir tenir une pièce à l'intérieur, parce que si tu veux défaire la vis qui est en dessous, il faut défaire cette vis là. Si tu n'as pas l'outil qui tient à l'intérieur, si tu vas avec une clé, il y a tout qui va se mettre à tourner et tu vas pas pouvoir la dévisser. Donc quand on n'a pas cet outil spécial, il faut prendre le pétard, la clé à choc. Comme ça, ça va aller tellement vite qu'il y aura, il va pas y avoir le temps que ça tourne. Et souvent, il faut des clés longues aussi comme ça, pour que ça aille jusqu'au bout. Si tu as une courte, tu pourras pas le défaire. Donc le mieux, c'est quand elle est sur la moto, tu commences par débloquer le bouchon. Tu peux même soulever le cache-poussière et enlever les clips. Quand c'est sur la moto, ce sera plus facile. Donc on prend un bac parce que l'huile va couler. On met un coup de pétard. Voilà, ça s'est débloqué. Je récupère la vis. Ensuite, je défais le bouchon là. Je le retiens un petit peu pour pas abîmer le filetage. Là, tu as une entretoise. Ensuite, tu as un ressort. Là, on va venir enlever le cache-poussière. Tu prends un petit tournevis. Tu l'écartes. Ça, c'est le cache-poussière. Et à l'intérieur, on voit le joint spi. Avant le joint spi, il y a un clips. On va venir l'enlever. Le clips. Maintenant, pour la désassembler, il n'y a plus qu'à tirer dessus. J'ai le cône de butée. J'ai la pipe d'amortissement. Avec son ressort. J'ai le tube à nu. Donc celle-ci, elle n'a pas de bague de friction. Ces deux bagues revêtues de téflon. Il y en a une où c'est revêtu sur l'extérieur. Et une où le téflon il est à l'intérieur, c'est quand le tube il va coulisser dans le fourreau, c'est des bagues anti-usure, c'est pour pas que ça vienne user tout ça. Et celle-ci, c'est une fourche vraiment très simple, elle en a pas. C'est-à-dire que elle, c'est directement le tube qui vient frictionner sur le fourreau. Donc quand il commence à y avoir du jeu, c'est mort, il faut la changer. Alors qu'une fourche où il y a des bagues, quand il commence à y avoir du jeu, entre le tube et le fourreau, on peut changer les bagues anti-friction. Et d'ailleurs, une fourche qui a des bagues anti-friction, quand tu la désassembles complètement, tu es obligé de les changer. Parce que pour le retirer, tu es obligé de taper dans les bagues. Donc sur cette fourche, si je veux retirer le joint spi, j'utilise cet outil, un extracteur de joint. Je le mets dedans. Je viens choper
je viens choper le joint et je fais levier. Alors pour pas abîmer ici, moi je me sers d'une ancienne bague de guidage. Il faut avoir, soit t'en achètes une neuve et tu te sers d'une neuve, ou soit t'as déjà fait et tu te sers d'une vieille. Je mets ici, je la tords, je mets la vieille bague de guidage ici. Comme ça, quand je viens faire levier, je m'appuie dessus et je viens pas abîmer mon fourreau. Faire de la mécanique, ça demande quand même un minimum d'outils. Donc faut pas hésiter à investir si tu as envie d'entretenir ta machine. Y a pas de secret, hein. Si t'as pas un minimum d'outils, tu peux rien faire. Enfin si, tu fais de la merde quoi. Donc celle-ci, très simple, on va la remonter. Donc, je prends ma pipe d'amortissement. Donc ici, il y a une petite rondelle expansive là, en nylon. Il faut regarder qu'elle soit pas cassée. Ça, je mets ce ressort dessus, le ressort de butée. Voilà. Je la rentre par le haut dans le tube. Je la fais coulisser jusqu'en bas. Là, elle ressort. Tu vois, le ressort, il sert à amortir. Quand la fourche, elle se détend, tu fais une roue ou un truc comme ça, ça se détend. Et c'est le petit ressort, là, il vient empêcher que tout s'abîme. Ensuite, tu mets le cône de butée sur la pipe d'amortissement. Tu fais attention qu'il ne tombe pas. Tout ça, tu rentres à l'intérieur. Et quand je suis en bas, je peux remettre la vis. Alors ça, c'est une fourche qui ne sert plus. Hein. Donc, je ne mets pas de joint neuf, tout ça, mais c'est juste pour te montrer. Donc là, tu remets un joint neuf sur la vis. Tu rentres à l'intérieur. Et là, tu essayes de la visser. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la pipe d'amortissement, ça, cette vis, elle se visse sur la pipe d'amortissement. Donc, vu que la pipe d'amortissement, elle n'est pas tenue, qu'elle tourne à l'intérieur, là, il y a beaucoup de chances que quand je tourne, ça se mette à tourner. Donc, pour empêcher ça, je vais remettre le ressort. Là, et je vais appuyer. Quand j'appuie, ça maintient la pipe d'amortissement. Et là, je peux visser. Là, je mets un coup de pétard. Donc moi, je connais mon pétard. Je sais que sur 1, ça suffit. Voilà. Sinon, il te faut l'outil qui maintient la pipe d'amortissement. Et après, tu viens serrer au couple. Alors, tu fais attention au ressort. Il y a des stries plus serrées d'un côté que de l'autre. Donc tu le remets dans le même sens. Si tu n'es pas sûr, si tu penses qu'elle a déjà été démontée et qu'elle a mal été remontée, ben là, il te faut le manuel d'atelier. En général, les stries les plus serrées sont vers le bas. Là, moi, elle était comme ça, avec toutes les stries les plus serrées vers le haut. Donc, je vais la remettre comme ça. Le ressort, lui, c'est ce qui te sert pour ton poids. Ça s'appelle la précharge. Donc, celle-ci, il n'y a que la précharge. Il n'y a pas d'amortissement de compression ou d'amortissement de détente. Ça, on verra ça avec la fourche inversée. Donc, si tu trouves que ta fourche est trop molle, après, tu peux jouer sur les entretoises. Plus tu vas mettre une entretoise longue, et plus ça va comprimer le ressort. Donc ta fourche sera dure. Ça sert à rien de mettre de l'huile très épaisse pour si elle est trop molle. Parce que tout ce que tu risques de faire, c'est que ça soit un bout de bois. Ta fourche, elle va être trop dure. Elle ne pourra plus se comprimer. Et puis ça risque de faire péter les joints spi. Tu mets l'entretoise. Tu remets le clips. Tu regardes bien qu'il soit dans sa gorge. Tu remets le cache-poussière. Et tu remets le bouchon. En faisant attention au filet. Tu le resserreras quand ça sera monté sur la moto. Voilà, la fourche est réassemblée. Ça, c'est une fourche simple. Alors la fourche inversée, elle dispose de réglages. Donc tu as ce réglage là, ici en rouge là. C'est pour régler la précharge.
Après charge, c'est la dureté du ressort qui est à l'intérieur. Ça, c'est pour ton poids. Si tu es tout seul ou avec un passager, tu vas pouvoir durcir la fourche. Pour que quand tu montes sur la moto, ça s'enfonce pas trop. Plus tu le visses, ça va descendre. Ça va faire comme si tu mettais une entretoise plus longue. Ça va comprimer ton ressort. Si tu dévisses, ça va faire comme s'il y avait une entretoise plus courte. Et ça va décomprimer ton ressort. C'est la précharge. Ensuite, dessus, tu as une petite vis là. Et en dessous, tu as une autre vis. Ça, c'est les amortissements à la compression et à la détente. C'est-à-dire que ça va être le rôle de l'huile. Donc quand je vais prendre un choc, si je veux que ça s'enfonce lentement, il va falloir que je durcisse la compression. Quand je vais la visser, il y aura plus d'amortissement à la compression. Quand je vais la dévisser, il y aura moins d'amortissement à la compression. C'est-à-dire que dedans, tu as des canalisations d'huile, tu as une tige à l'intérieur. Plus tu visses, plus ça enfonce la tige et ça obstrue un trou. Tu vois, sur la pipe d'amortissement qu'on a vu tout à l'heure, ben là-dedans, il y a une cartouche. C'est plus une pipe toute seule, c'est une cartouche complète. Et dans cette cartouche, tu as différents trous. Quand tu visses, ça obstrue le trou. L'huile a plus de mal à passer, donc ça va freiner ta compression. Et pareil en bas. Plus je vais la visser, plus ça va freiner la détente. Donc suivant les motos, la vis de compression et de détente, elles sont peut-être inversées. Donc ça, tu regardes dans ton manuel. Ou alors, tu essayes. Par exemple, moi, alors faut pas hésiter à régler ta fourche pour trouver le meilleur compromis. C'est pas un truc de ouf, hein, la fourche. Tu notes les valeurs, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand tu as ta moto toute neuve, avant d'essayer de régler, bah, tu vises tout en comptant les clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, moi je suis à 10 clics, tout vissé. Donc je sais que si je veux retrouver le réglage d'origine, je visse complètement et je dévisse de 10 clics. Maintenant, je vais tout dévisser. Voilà, j'ai tout dévissé en haut et je vais tout dévisser en bas. Voilà. Là, il n'y a plus d'amortissement à la compression ni à la détente. Quand j'appuie, il n'y a que le ressort. Je vais visser celle d'en bas au maximum. Ça me freine la compression. Je la redévisse. Maintenant, si je visse la vis du haut au maximum, là, ça me freine la détente. Alors maintenant, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, tu défais ton bouchon. À la différence de l'autre, là, le bouchon, il va rester fixé dessus. Voilà. Dedans, tu as une cartouche qui est fixée à l'intérieur. Je vais la vider. Donc là c'est pareil, en principe tu as besoin d'outils spécifiques pour compresser le ressort, enlever la petite clavette là, et pour désassembler la tige d'amortissement et toute la cartouche. Mais ça m'empêche pas de démonter et de faire les spies si je veux. Là je vais la démonter simplement parce que celle-ci elle me sert encore. Donc là c'est pareil, il va falloir une BTR assez longue. Le pétard, ça c'est l'outil que tu te sers quasiment le plus en mécanique, donc faut pas hésiter à en acheter un. La vis du bas, elle est percée. Dedans t'as un conduit. Il y a un trou là. Ça te sert pour l'amortissement, pour le réglage de l'amortissement de tout à l'heure qu'on a vu là. La vis qui est en dessous. La vis là. Tu vois, quand ça c'est vissé. Plus tu vas serrer, plus tu vas la serrer ou la desserrer, et ça va jouer sur ce réglage, sur l'écoulement de l'huile. Donc commence pas à foutre une vis que tu as trouvée. Il faut, si tu as plus cette vis, il faut remettre la même. Ensuite, maintenant, je peux enlever ma cartouche. Le ressort, tout ça, tout est fixé avec la cartouche. Alors tu peux trouver une fourche dite normale, pas inversée, avec une cartouche dedans et des réglages. C'est pour garder l'esthétisme de l'ancienne époque. Donc elle toute seule, elle fait office d'amortissement compression, amortissement de détente,
Et la précharge. Voilà. Et tout ça, ça peut se démonter. Et quand elle est en bon état, ça sert à rien de la démonter. En principe, on la démonte soit pour changer une pièce qui fonctionne plus, ou soit quand tu remets de l'huile, la tige à l'intérieur, tu as une tige, c'est pour purger l'air. Mais même sans la démonter, tu peux arriver à purger l'air sans souci. Hein. Donc ça sert à rien, moi je trouve que ça sert à rien de la démonter. Si t'as pas les bons outils, tu vas l'abîmer, donc autant pas la démonter. Voilà, ensuite tu te retrouves avec ça. Donc là, t'as le fourreau, à peu près à ce niveau-là. Là. T'as une bague anti-friction. Alors ça, sur certaines machines, tu peux le changer. Mais c'est assez délicat à faire, je te conseille pas d'essayer, tu vas tout niquer. Une rayure sur le fourreau là, et ta fourche elle est baisée. Enfin, tu vas pouvoir t'en servir, mais si t'as envie d'avoir une moto de merde, c'est à toi de voir. Et sur certaines motos, on ne peut pas se changer. Tu es obligé d'acheter un fourreau complet. Hein, comme sur la Z750. 350 balles le fourreau. Donc je te conseille de ne pas faire trop de wheeling. Parce que si tu commences à tout niquer, après c'est pour ta pomme. Tu as le cache-poussière. Si je l'enlève, tu as le clips. Qu'on a vu tout à l'heure. Un clips. Et en dessous. T'as le joint SPI. Alors, joint SPI, c'est quoi? À la base, SPI, c'est une marque. Donc, c'est devenu communément joint SPI, mais ça s'appelle joint à lèvres. Joint à lèvres, c'est une armature métallique recouverte de caoutchouc. Et t'as une lèvre ici, là. T'en as deux, même. Une en dessous, une au-dessus. Et t'as un ressort. T'as un ressort à l'intérieur. Il te sert à resserrer la lèvre pour que ça, avec l'usure tout ça, que ça appuie bien quoi. Après j'ai une petite astuce, enfin j'aime pas ce terme là, astuce là, parce qu'en mécanique c'est pas des astuces, c'est on fait comme il faut ou on fait pas. Il n'y a pas d'astuce ou farce et attrape là. Mais il y a un truc qui peut bien servir, c'est si t'as pas les joints et que t'es en galère, ton joint est fui, faut que tu le défasses proprement. Pas avec cet outil, hein, parce que si tu prends cet outil, tu le niques. Tu défais ton joint proprement, tu retires ça. Et ça, c'est enchevêtré là, comme ça. Tu le tournes et tu vois, il se défait. Donc quand tu le défais, tu peux le couper un peu. Et après, tu le revisses. Voilà, ça fait que le diamètre est un peu plus petit, puis c'est plus serré. Et tu le remets. Voilà, comme ça, ça te resserre un peu le caoutchouc, et ça peut te dépanner. Et ensuite, j'ai mon tube, et mon pied de fourche. Où il y a mon étrier qui vient, et mon axe de roue. Donc la principale différence entre une fourche inversée et une fourche normale, c'est que la fourche inversée, tu as une cartouche à l'intérieur, pour pouvoir faire différents réglages. Elle a une dimension supérieure, ta fourche inversée, pour encaisser tous les trous, enfin toutes les avaries de la route. Une fourche traditionnelle, à bout d'un moment, ne pourrait plus encaisser. Et c'est beaucoup plus rigide. Bon, maintenant, on va remonter tout ça. Donc, quand tu n'es pas expérimenté, ce qu'il faut faire, c'est mettre ton joint cache-poussière d'abord. Ensuite, tu mets ton joint SPI. N'oublie pas d'y intercaler le clips. Et ensuite tu vas rentrer tout ça. Tu as un outil comme ça là, qui te sert à enfoncer le joint SPI. Là, tu le mets dessus. Ça, tu viens le mettre autour. Et tu vas venir taper pour enfoncer tout ça. Et moi ce que je fais sur une fourche inversée, c'est que je les mets d'abord sur le fourreau et après je le rentre mon tube. Parce que moi j'arrive à sentir. Parce que le problème c'est qu'il ne faut pas retourner la lèvre du joint SPI. Et quand tu as suffisamment d'expérience, tu arrives à sentir si c'est retourné ou pas. Tu viens y foutre ta cartouche. Et voilà, c'est très simple. Et on vient y mettre la vis avec un joint neuf. Moi, je t'ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur d'une fourche. Je t'explique à peu près son fonctionnement. Maintenant, pour tout ce qui est remplissage d'huile et tout ça, il faut se référer à ton manuel. Parce que comme chaque fourche est différente, je vais pas commencer à te dire un truc alors que sur la tienne ce sera pas comme ça.
Maintenant, on va se démonter celle-là pour voir ce qu'il y a dedans. C'est une fourche, c'est un élément de fourche d'enduro, je crois, tout comme ça. Ça, je m'en sers pas. Si vraiment ça tourne beaucoup dedans, tu t'appuies dessus, tu la mets en compression. Sur celle-ci, il y a un sacré bouchon. Il y a tout un empilement de trucs. Là, il faut avoir la doc technique pour comprendre comment ça fonctionne et si jamais il y a un truc qui fonctionne plus. Là, la cartouche. Celle-ci, tu vois, ça bloque là. Ça veut dire que c'est la bague de guidage. Il y a une bague de guidage là qui est sur le tube. Donc pour le sortir, c'est pour ça que je t'avais dit que quand tu désassembles une fourche avec des bagues de guidage, là, si ça bloque, comme il va falloir tirer dessus pour les sortir, il faut changer les bagues de guidage pour faire du bon boulot. Donc je retire le cache-poussière. Je retire la clips. À l'intérieur, il reste le joint spi. Je vais venir tirer, donner des coups comme ça, jusqu'à ce que ça se désassemble. Voilà. Donc là, j'ai mon fourreau. Et là, sur mon tube, j'ai mon joint spi. J'ai une petite bague. Et là, j'ai mes deux bagues de guidage. Donc celle-ci, qui est mobile, c'est celle qui vient s'insérer ici dans le fourreau. Là, la partie métallique est dans le fourreau et la partie à l'intérieur, là, anti-friction, elle est contre le tube. Voilà. La fourche, elle travaille. Ça, ma main, on va dire, c'est le fourreau. C'est solidaire du fourreau. Voilà, ça coulisse comme ça. Et celle-ci, elle est à demeure sur le tube. Et là, la partie en téflon, elle vient frotter à l'intérieur du fourreau. Donc ça, pour le sortir, il faut l'écarter. Les fourches, c'est pas compliqué, mais il faut être soigneux parce que la moindre rayure ou quoi que ce soit, et après, c'est abîmé, quoi. Voilà, la bague en téflon. Téflon, il est à l'extérieur parce que celui-ci, il frotte dans le fourreau. Et celle-ci, téflon, il est à l'intérieur, parce qu'il frotte sur le tube. Et ensuite, là, une petite bague. Le joint spi. Alors là, comme il y a une gorge ici, on va essayer de ne pas tout niquer, parce que je vais le remettre. Et le cache-poussière. Hein, ce cache-poussière là, il a un petit ressort aussi. Quand tu commandes des joints spi, quand tu veux t'échanger tes joints, en général, il n'y a que le joint. Il n'y a pas le cache-poussière. Mais c'est important le cache-poussière à changer aussi. Tu as une gorge à l'intérieur. Et tout ça, ça se charge de merde. Tu vois. Donc, s'il est en bon état, tu essaies de le nettoyer convenablement, tu peux le remettre. Mais au prix où ça coûte, il vaut mieux le changer. Et tes tubes, il faut toujours qu'ils soient propres. Là, ta moto, il faut la laver un minimum. Parce que dès que ça se charge en poussière, tout ça, à force que ça rentre, et ben ça finit par user ton tube et niquer ton spi. Tiens, on va se démonter la cartouche. Donc là, t'as le bouchon. T'as un petit truc nylon là. Ressort. Donc la pièce en nylon, la cuvette ou je sais pas comment ça s'appelle, ça va dessus. Ensuite, tu as la cartouche, tu vois. C'est un peu comme une pompe, tu vois. C'est une pompe où quand l'huile sera dedans, et ben ça va la freiner. La circulation de l'huile
la circulation de l'huile par les clapets à l'intérieur, bah, quand tu vas faire les réglages, tu vois, tu as la tige là, tu as la tige, cette tige là, c'est pour la vis qui est au-dessus, la vis de réglage. Hein, quand tu vas l'enfoncer, ça va enfoncer la tige, quand tu vas desserrer, ça va la libérer. Donc ça va obstruer plus ou moins les trous qu'il y a dedans, et ça va freiner la compression ou les détentes suivant le réglage. Après cet élément là, bon, il peut se démonter encore, mais après c'est pour les plus chevronnés, hein. Il faut prendre des mesures, il faut à la cale d'épaisseur, tout ça, donc moi je te conseille pas d'y toucher. Au pire, si elle fonctionne pas, t'en rachètes une complète. Parce que si tu investis dans des petites babioles là, et que tu sais pas les contrôler, tu trouveras jamais ta panne. Donc, on va remonter tout ça. Là, je remets mon ressort. Je remets ma petite butée en nylon. Là. Je remets mon capuchon. Bon, je vais rien serrer parce que cette fourche, comme je te dis, elle me sert pas. Donc c'est juste pour te montrer. Ensuite, là, pour remettre les plis. Donc, on va commencer par mettre le cache-poussière. Là, ici, c'est creusé, donc on fait attention. Je remets le clip. Le clip, tu peux le mettre après, hein, comme il est ouvert, ça peut venir après. Ensuite, tu as le spi. Alors, le spi, c'est pareil. Si tu n'as pas d'expérience, pour pas retourner la lèvre ou l'abîmer, tu peux mettre du scotch ici. Tu mets du scotch, tu l'enquilles et tu retires le scotch. Et moi, avec l'habitude, j'arrive à le mettre. En fait, tu rentres d'un bord, tu appuies un peu dessus. Ça te donne de la place pour l'autre côté. Tu passes, voilà. Tu vois, dès que ça bute, tu appuies sur un côté, ça fait passer l'autre. Et après, tu appuies sur l'autre et hop, ça passe celui-là. Voilà. Ensuite, tu mets cette pièce. Donc, cette rondelle, elle a un côté arrondi et un côté plat, vu que c'est frappé à l'emporte-pièce. Le côté plat, tu le mets vers le bas. Côté arrondi, vers le joint spi. Ensuite, tu as tes bacs de friction. Alors, les bacs de friction, il faut les changer hein, quand tu les assembles. Là, je vais les remettre parce que la fourche, elle ne sert pas. Il faut qu'elle soit propre, huilée. Donc, tu vois, t'en as deux différentes. Là, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, la plus fine, bah celle qui a le téflon à l'intérieur, en premier. Et celle-ci, qui a le téflon à l'extérieur, elle va venir dans la gorge. Quand tu la mets dans la gorge, tu vois ici il y a une ouverture. Alors l'ouverture, faut pas la mettre dans le sens de la marche de la moto. Tu vois, par exemple là, il va y avoir l'axe de roue, hein, le sens de la marche c'est vers là. Donc ta rainure, tu la mets pas vers le devant, parce que comme c'est la partie qui va frictionner le plus, c'est pas bon. Faut la mettre sur les côtés. Voilà. Le côté il est là, donc je vais mettre ma rainure sur le côté. Voilà. Comme ça ici quand ça frictionnera, parce que ça travaille plus sur le devant et l'arrière que sur les côtés, et ben ça viendra pas dans la rainure. Ensuite je remets mon tube. Alors je mets un truc en dessous pour protéger. Ensuite tu prends l'outil pour enfoncer les joints. Donc, tout l'empilement, bac de guidage, rondelle et spi, tout ça, ça va être enfoncé en même temps. Tu mets l'appareil, enfoncement de spi. Là, tu prends la petite masse, tu viens taper. Si tu as tout bien assemblé, c'était propre, t'as enfoncé ça droit, il y a tout qui rentre facilement. Et après tu mets ton clip. Ensuite tu viens mettre le cache-poussière. Voilà.
Tu regardes que ce soit libre. Si ça bloque, c'est que tu as mal remonté. Ensuite, tu remets ta cartouche. Tu remets le beau bouchon compliqué. Tu la remplis d'huile en regardant le manuel. Tu l'actionnes pour chasser l'air. Donc, tu peux la laisser, tu la laisses debout une demi-heure. Les bulles elles vont remonter. S'assurer que la cartouche fonctionne. Et ensuite tu refermes. Voilà, tu vois, il n'y avait rien de compliqué.